Yo les requins, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude et après 3 jours d'absence tout simplement sur YouTube pour vous prévenir qu'il y aura beaucoup de changements effectivement sur cette chaîne YouTube. Comme vous l'avez remarqué, je suis un petit peu moins actif ces derniers temps, je suis en train de préparer d'autres choses. J'ai effectivement un été qui va être un petit peu chargé et du coup ça me force à modifier un petit peu les plans de la chaîne. Alors, il n'y a pas que ça qui me force à modifier les plans de la chaîne et comme d'habitude, je prends plaisir à vous partager ces choses-là parce que je pense que c'est le minimum que de vous mettre au courant. Et j'avais vraiment envie de vous dire que tout simplement je suis en train de changer ma méthode de travail pour pouvoir vous proposer d'autres choses et m'ouvrir un petit peu prévoir sur le long terme tout simplement. Je suis arrivé ici vers les 234 000 236 000 abonnés, presque 240 000 on va dire en tout simplement plus d'un an. C'était assez extraordinaire. L'année dernière à la Paris Games Week j'étais à 90 000 abonnés, aujourd'hui j'en suis à 240 000 et c'est complètement grâce à vous que je le dois, donc je ne cesserai jamais de vous remercier. Aujourd'hui si je vous fais cette petite vidéo tout simplement c'est déjà pour vous parler des plans des prochaines vidéos, des plans de planning de la chaîne et de tout ce qui va arriver. Donc je vais commencer tout simplement par les vidéos. Fallait absolument que je vous mette au courant. Je sais même pas si je mettrai un gameplay en fond ou quelque chose. Il y aura probablement quelque chose parce que juste du speech comme ça c'est pas forcément intéressant. Je voulais juste tout simplement vous dire que j'ai réduit la cadence de publication de mes vidéos tout simplement pour pouvoir me permettre de travailler un petit peu plus dessus et de me laisser tout simplement un petit peu plus de temps libre, parce que à sortir une vidéo par jour, tout simplement je n'y arrive pas et je ne prends plus forcément de plaisir à publier, dans le sens où j'ai l'impression de publier trop vite et de vous publier de la merde et ça me dérange. De toute façon j'ai remarqué que Full Rainbow Six ça ne vous plaît plus forcément, et quand je m'exporte sur d'autres choses ça vous plaît pas forcément non plus, puisque j'ai habitué toute ma communauté à faire Full Rainbow Six, regarder des vidéos Full Rainbow Six, et aujourd'hui en fait c'est plus trop ce que j'ai envie. En fait, comment vous expliquer ça, j'ai pas lâché Rainbow Six du tout puisque je suis toujours en plein dans la compétition. C'est toujours mon jeu principal et c'est toujours le jeu sur lequel je passe le plus de temps tout simplement, pour m'entraîner, peaufiner mon niveau, etc., m'améliorer, vous-même vous connaissez les bails. Pour devenir une légende faut s'entraîner comme une légende pour pouvoir un jour aspirer à en devenir une. C'est simple, c'est dit, c'est clair, c'est concis, c'est net. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, je me tâte à publier tout simplement une vidéo tous les deux jours, et c'est ce que je vais faire en fait, avec un plan de publication particulier, puisque j'ai vraiment envie de m'exporter, de me diriger vers du multigaming. J'ai deux projets, deux possibilités entre guillemets, ou alors le lundi, je vous publie du R6, le mercredi, autre chose, style, je sais pas, Fortnite, un autre BR, The Island of Nine, ou je sais pas... complètement différent, le vendredi du Rainbow Six de nouveau, et le dimanche, je voulais créer un jour consacré aux abonnés, reprendre le concept de Friday with PewDiePie que j'avoue je n'ai pas forcément bien compris, mais j'ai compris que c'était un jour qui était dédié tout simplement au partage et à l'échange avec les abonnés, et aujourd'hui ici en France j'ai l'impression que plus personne ne le fait, et moi j'ai envie de le faire, j'ai envie de continuer à évoluer sur YouTube tout simplement, en partageant toujours les mêmes valeurs que je partageais au début avec ma communauté, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment qu'on soit proche, et pour le coup j'aimerais vous dédier un jour dans la semaine où on ferait peut-être des FAQ, des mini-jeux, des réponses, je sais pas, des sondages, à plein de petites choses, on regarderait peut-être des vidéos des viewers, on regarderait peut-être des montages green screen, on regarderait peut-être ce que les viewers m'ont fait, genre des dessins, je sais pas, des petites vidéos, des YouTube poops, j'en sais rien, mais en tout cas ce serait un jour qui serait dédié tout simplement aux abonnés et à moi tout simplement. Et la deuxième possibilité c'était que je garde la même ligne de conduite sur cette chaîne YouTube, que j'ouvre en fait comme l'a suggéré quelqu'un tout simplement sur Twitter, une deuxième chaîne plus axée multigaming qui pourrait toucher plus de monde. Et ça c'est une idée qui me plaît un petit peu moins, parce que ça voudrait dire recommencer de zéro, c'est pas forcément ça qui me fait peur, mais toucher une audience, chercher à toucher une audience toute nouvelle avec tout simplement une chaîne qui n'a aucune audience, c'est quasiment mission impossible. Donc je sais pas trop et je m'en retourne à vous, savoir ce que vous préféreriez. Mais clairement aujourd'hui en fait, le fait de faire du Rainbow Six tout le temps, le fait d'être tout le temps sur Rainbow Six, ça me gave un petit peu, dans le sens où j'ai l'impression que de vous bâcher avec ça, et c'est un peu ridicule pour moi, dans le sens où j'ai envie de continuer à évoluer et j'ai pas cette impression là, j'ai pas l'impression que ce soit possible aujourd'hui dans l'état actuel des choses avec mon rythme de publication et la qualité des vidéos que je vous propose. Alors certes il y a un minimum de montage sur chacune d'entre elles, mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir assez le temps pour les travailler tout simplement, et du coup j'aimerais ralentir un petit peu pour tout simplement bosser un peu plus sur la qualité. Et aujourd'hui je pensais vraiment que la mise au point était nécessaire. Donc j'en suis un petit peu au point où on a toujours des périodes de stagnation, la chaîne elle monte, les abonnés ils montent, les vues montent,
ça stagne, et normalement c'est censé redécoller. Moi c'est vrai que pour le coup ça fait un moment que ça stagne, et j'ai envie de profiter de cette période de stagnation tout simplement, et de la hype descendante de Rainbow Six Siege, parce que, bon, toutes mes vidéos faisaient en moyenne 60 000 vues, 100 000 vues sur Rainbow Six, là on sent clairement que le niveau d'intérêt est en train de descendre, même si sur le total d'une vidéo, j'ai l'impression que mes viewers restent de plus en plus longtemps sur mes vidéos, donc c'est bien quelque part qu'en travaillant un petit peu plus ces vidéos, en se donnant de la peine, ça fonctionne et ça intéresse les gens tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui je m'en retrouve un petit peu là à discuter avec vous, c'est sympa, en même temps ça permet de faire un point et de vous donner les informations importantes quant à la chaîne YouTube, et je trouve ça quand même, comme dit, super important de garder la proximité que y a tout simplement entre vous et moi. Et surtout je voulais vous demander aussi, parce que c'est super important, si jamais vous avez des idées, des suggestions, des petits concepts ou des jeux sur lesquels vous voudriez me voir, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires tout simplement en bas. Vous devriez savoir qu'à force, bah, je lis tous les commentaires et je reste toujours un petit peu en fin de vidéo pour pouvoir répondre, interagir, mettre des super likes aux commentaires tout simplement. Et voilà, c'est beau, c'est ça le partage à la base, c'est ça l'échange sur YouTube. Et du coup, moi, ça me permettrait de peut-être d'avoir des idées, de choper quelques idées, des petits trucs sympas, dans le sens où j'ai pas envie de faire des pranks, j'ai pas envie de vous bâcher de Fortnite non plus, mais j'ai envie de faire un petit peu de chaque, tout simplement, parce que moi qui joue tout le temps à Rainbow Six Siege, publier tout le temps du Rainbow Six Siege... Ouais, tu vas faire ton focus, s'il te plaît, je viens de capter que... Oh, bonsoir. Alors, quand ça veut pas, hein. Plus ça va, moins ça focus. Voilà. Donc comme je disais, publier du Rainbow Six Siege tout le temps, alors que je joue tout le temps à Rainbow Six Siege, que je fais de la compétition sur Rainbow Six Siege, bah en fait, je suis atteint d'une lassitude totale quand je me connecte sur YouTube et que je regarde le contenu des autres, de Super Connard, de Amixen, du Blédard, de tous mes potes YouTubeurs, et puis des autres tout simplement qu'on suit tous, hein, parce que bon, Vodka, Amixen, c'est Joyka, c'est devenu des références, donc on regarde un petit peu, tu vois, ce qu'ils font, Mastu et compagnie. Voilà. Sur le même principe des Vitality et de Gotaga, je prévois aussi l'ouverture d'un site web qui pourrait effectivement aider à fédérer la communauté Team Shark. Nous retrouver tout simplement, vous verrez les chaînes de stream dessus, donc ma chaîne Twitch dessus, que je vous invite énormément à les follow, elle est dans la description, et je liverai de plus en plus sur Twitch les gars. Donc si vous voulez voir du contenu sympa sur Rainbow Six, passer quand je coach tout simplement les viewers, quand on joue en live avec eux, etc, parce que je fais régulièrement des game viewers, je fais régulièrement des trucs avec les viewers, et ça se passe sur Twitch, c'est en bas dans la description, donc je vous invite à aller lâcher un petit follow, ça coûte rien, ça vous prend 3 secondes. Vous retrouverez également une section vidéo dessus, je pense, galerie, setup, pour que vous puissiez voir un petit peu avec quel périphérique je joue, mon matériel, etc. Non, tu passes pas en ligne, s'il te plaît. Et j'ai que des problèmes là, je suis en train de regarder cette vidéo, il y a tout qui s'éteint, mon PC s'éteint, le focus il se casse, il y a aucun problème, tout se passe bien, c'est beau de faire une vidéo YouTube. Hein. Et je disais, du coup, il y aura une boutique et il y aura un onglet où on pourra discuter tous ensemble, vous pourrez poser vos questions, vos suggestions, etc. Il y aura peut-être le Tipeee qui sera affiché dessus, je sais pas, il y aura plein de trucs dessus, mais je prévois également l'ouverture d'un site web. Cet été, je prévois également, normalement, si tout va bien avec Cooler Master, il y aura sûrement une rencontre abonnée d'ici août et d'autres projets qui se lance, dont un court métrage, et c'est des choses qui commencent à prendre du temps, qui s'installent, qui sont là et qui arrivent. C'est comme tout simplement la surprise avec Cooler Master qu'on vous avait organisé, les 20 PC édition limitée que vous pourrez tout simplement acheter. Vous verrez tous les détails bientôt, parce qu'il y aura effectivement que 20 PC. Vous aurez les détails très bientôt. Ça a pris un peu de retard, comme dit, des fois tout organiser en même temps, c'est un peu compliqué. C'est un super boulot de gestion et de management. Moi j'étais pas prêt pour ces trucs là parce qu'à la base je suis absolument pas gestionnaire ou manager, ou je sais pas faire ces trucs là et je me dépatouille comme je peux. Enfin voilà, je pense que l'essentiel a été dit pour le coup. Pour tout ce qui est des informations, des news, etc, je vous invite à suivre mon Twitter qui est dans la description, @thewhiteshark67, c'est super important, c'est là où vous trouverez tous les concours, les giveaways, là où vous trouverez les annonces de live, là où je vous balancerai qu'une nouvelle vidéo est sortie. Et cette fois-ci, dorénavant, vous pouvez vraiment aller suivre mon Twitter, parce que dorénavant, les vidéos seront lourdes. À partir de la semaine prochaine, je prendrai le temps de bien monter les choses, je prendrai le temps de vous faire des trucs cool. On aura des guests de qualité, parce que vous le voyez, au fur et à mesure, je suis en train de m'appliquer et j'ai vraiment plus envie de jouer tout seul, parce que c'est complètement nul et l'ambiance est carrément un cran en dessous que quand on joue avec quelqu'un. Donc je suis en train de faire beaucoup d'efforts pour
remettre un petit peu tout ça sur pied. Et je voulais votre avis par rapport à tout ça, savoir où vous vous situez, parce que pour moi, c'est super important que d'avoir votre avis là-dessus. Je sais, la plupart vont me dire en commentaire, Sotoshun, tu fais ce que tu veux, mais chez moi, ça marche pas comme ça en fait, parce que c'est un truc qu'on a en commun et qu'on partage. Et c'est super important qu'on soit unis comme ça sur le boulot de la chaîne, pour pas qu'elle perde son identité non plus, pour pas que je change, pour pas que R6 disparaisse, mais qu'il y ait d'autres choses, parce que comme vous le savez, il y a d'autres grosses licences qui arrivent, dont par exemple The Division 2 que je vais complètement poncer, et ça me ferait chier que je tape zéro vue dessus, parce que même si je cours pas après l'argent, la gloire, la coke et les putes, je veux dire, faire un minimum de vues sur ces vidéos, c'est quand même mon objectif. Moi, j'aimerais plus taper en dessous des 50k vues sur mes vidéos, et forcément je suis en train de taffer pour que ça fonctionne. Je veux dire, normalement, au stade où j'en suis, je pourrais déjà aspirer à faire 100k vues sur chacune de mes vidéos, et si c'est pas le cas, c'est qu'elles sont pas assez intéressantes, ou que le montage est pas assez bon, ou que tout simplement je suis un connard, je suis peut-être pas drôle, c'est peut-être ça qui va pas en fait. Je devrais boire pour faire des vidéos de qualité, j'en sais rien, ou fumer un gros dab pour que je sois complètement défoncé dans le cosmos, peut-être que ça fonctionnerait. C'est peut-être des plans que je devrais essayer, des petits tips comme ça, non, évidemment c'est une joke, hein, ne fumez pas d'herbe à la maison, ne buvez pas trop d'alcool, etc. Mais vous avez compris l'idée principale. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir d'en discuter avec vous. Je me sens un petit peu le cœur léger, vous voyez. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous incite énormément à vous abonner à cette chaîne YouTube. Comme dit, si vous avez envie, de devenir investisseur, d'investir dans un projet qui se relance tout simplement, sans réelle garantie que ça fonctionne, je suis là, les gars, je suis là. Et si vous faites partie de ceux qui gueulent parce que vous voulez full R6, dernièrement, je ne céderai plus. Je vous invite effectivement à partir ou aller suivre quelqu'un d'autre qui fera du full R6. Chez moi, ça sera plus le cas parce que c'est chiant, les gars. C'est chiant et c'est plus ce que j'ai envie de faire. Je fais des bisous. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à me follow sur Twitch. Je vous fais des bisous. Je vous invite à me follow sur Twitch, Twitter et sur YouTube tout simplement. À lâcher votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. C'est White, les gars. Ciao tout le monde. Peace. Down, 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 down